Bonsoir tout le monde. Bonjour, Bonsoir bonjour à à tous. tous. Alors, attendez. Je vais voir si tout va. Alors, d'abord, stream, avant qu'on commence toutes les questions, je vais juste vous montrer ce que j'ai déclenché le serveur. Vous êtes directement vers l'interface. Et ça va être la première question parce que voilà, on va directement dans le vif du sujet. Parce que Ethan m'a donné une bonne leçon tout à l'heure. Donc, là, sur ce serveur-là, il y a une différence comparée aux autres fois. Normalement, quand vous lancez un serveur Gmod, bah, comme le mien, par exemple, vous arrivez, vous prenez élève et F4 et tout. Là, c'est des factions. Comment marche le serveur par rapport aux factions en fait? Ils vont vous expliquer, voilà. Thème de faction. Alors, du coup, donc comparé aux serveurs, on va dire classiques qui, eux, font leur personnage, ils le renomment, machin, machin, et font juste F4, choisissent leur job suivant ce qu'ils ont été whitelistés ou non. Nous, c'est carrément, on choisit de créer notre personnage qui est complètement unique. Donc, dès que vous allez arriver sur le serveur, vous allez avoir le choix entre deux factions, deux grosses factions, hein. Donc il y a les élèves, donc le nouvel élève, pour créer donc un élève. Et la deuxième faction, ça va être la faction des adultes. Donc après, quand tu auras créé ton personnage adulte, il aura le potentiel de faire le métier qu'il veut. Après, c'est à lui, INRP, de faire les démarches s'il veut, par exemple, travailler au ministère, s'il veut devenir professeur, c'est à lui d'aller faire les démarches une fois son personnage adulte créé. Mais voilà, on a deux grosses factions. Soit tu crées un enfant, un élève, soit un adulte. Est-ce que c'est clair? Peut-on faire deux persos différents? Alors, en effet, on laisse. En fait, il y a un nombre de slots par personne. Les joueurs ont la possibilité donc de faire deux personnages différents. Donc, il peut autant faire, s'il a envie, deux élèves différents, ou un élève, un adulte, ou deux adultes, enfin voilà. Il a la possibilité d'en faire deux. Après, nous, les staffs, on en a un qui est réservé, etc. Et il y a aussi la possibilité d'en avoir plus, mais voilà, on va pas rentrer dans les détails. Ok, bon, pour moi, on prend l'élève et tout. Alors, ça connaît ce que une question. Pour la question, y a-t-il un système de marchandage où l'on peut devenir commerçant avec une réelle interaction? Alors, il faut savoir que ça fera l'issue en fait d'une mise à jour prochaine, dans le sens où tout ce qui est adulte, etc., ici, ce sera disponible. Mais le plein potentiel ne sera pas encore atteint dès le début parce qu'on a vraiment énormément de projets qui mettent du temps en fait à être faits. Et je pense que d'ici les prochains mois, il y aura du coup des interactions, comme tu as dit, créer du coup un magasin. Qui pourra même d'ailleurs être volé, hein, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais on pourra aussi vraiment aller dans toutes les parties qu'on connaît dans Harry Potter, donc que ce soit le ministère, Godric's Hollow, tout ce genre de choses. Donc après, on aura vraiment la possibilité de faire ce qu'on veut. Ici, pour l'instant, ce sera vraiment limité au niveau de, voilà, de vivre à Préaulard, de faire un peu voilà, tout ce qui est un peu aurore, mais pas non plus toutes les possibilités. Qu'on a imaginé pour le futur. D'accord. Salut Damien, salut Yomag. Alors, moi je prends juste pour le stream. Là j'ai fait un élève, donc on a pris Styles. Petite info, c'est que le jour où on est sur le serveur, on fera un choix, si on prend élève ou adulte. Et surtout qu'on va faire un aspect de. On choisira les skills passés mon perso avec vous. Vous verrez, je ferai vraiment un truc. Voilà. Pour moi les gars, il fallait que ça me parle. Salut Nice. Alors, donc par rapport à ça, donc là on arrive sur la map en tant qu'élève. Déjà, putain, on est vraiment petit quand on est élève sur le serveur. Ouais. Ah bah oui, il avait bien adapté. Voilà, donc on a plus là déjà, c'est ça? Alors, du coup, bon, on laisse la surprise du coup à tout le monde de visiter la map par lui-même. Du coup, on t'a directement téléporté à un lieu qui est totalement unique et exclusif qu'on a fait nous-mêmes pour donner un petit peu de hype aux joueurs. Ouais, Mais voilà, on on va laisse regarder. aux joueurs l'opportunité de visiter Ok, par eux-mêmes l'interface est vraiment sympa une avec la fois roulette. l'ouverture du serveur effectuée. Ok, alors l'interface qui a été changée. Alors, la vue, j'ai vu qu'au prochain de vue, je sais pas si ça marche pour Roman. Parce que si dessus, ça marche pas, donc peut-être plus tard. Non, essaye de faire F1. Ah, F1? Non, ça marche pas moi. Peut-être moi aussi qui. Ah non! Le truc, c'est que tu peux faire point d'exclamation tir pour l'instant, mais au niveau de l'interface, en fait, sur le menu C,
Ici, elle est sujette à modification, elle n'est pas encore terminée, je dois la terminer aujourd'hui. Ok, alors la casquette là, je vais la rechoper après, je la garde un peu parce que je vais en passer après, parce que je me suis mis les trucs dans l'ordre pour bien perdre. Bon, puis on peut commencer à visiter un temps. J'ai une question, c'est combien de temps vous travaillez sur le serveur? Ouh là là. Et Darky. Depuis un bon moment. Oh, il se fait grand grand. Je suis sert de version bien précise. Ça fait enfin la reprise de zéro depuis novembre, je pense, lorsqu'on a fermé Ah oui, ouais. bêta, pour dire de vraiment reprendre les choses de zéro, parce qu'on trouvait qu'il y avait des choses qui devaient être améliorées et qu'on estimait que pour améliorer ça, il fallait vraiment reprendre sur de bonnes bases. Et donc c'est ce qu'on a fait. On a vraiment tout revu les systèmes. Mais sinon, le projet, lui, existe depuis bien longtemps. Mais je pense que c'est Zedric qui va peut-être mieux expliquer ça. Ouais. Ouais, parce que depuis novembre, du coup, on avait fermé pour développer quelque chose vraiment à notre image et d'unique. Mais voilà, je sais pas s'il y en a qui savaient. Ludo, je crois que tu étais venu de quelques fois. On était du coup en bêta, entre guillemets. On avait ouvert le serveur, quoi, peut-être 2, 3 mois. Mais toi. On essayait de le développer à côté, mais c'était vraiment pas compatible. On ne pouvait pas du tout Salut faire les gamer. deux. Du coup, voilà. J'ai décidé de fermer vers novembre, je crois, et s'y consacrer pleinement. Donc, on va dire que depuis novembre, c'est vraiment là où cette version, en tout cas, du Poudlard est développée, quoi. Est-ce que Enfin, vous quand m'entendez? c'était des Ouais, petits on tests. t'entend Oui. nickel. Alors. Voilà, nickel. Ouais, je suis désolé, parce que ça m'a coupé quand j'allais expliquer le truc. Je sais pas si on m'a entendu. Il y a un joueur qui vient de me dire qu'on m'entendait pas parler. Il a rattrapé le tyrétan. Il a capté. Quel bel homme, Titan. Vraiment. Wow. Déjà, merci beaucoup, Zam. Vous êtes plus de 20 sur le stream. Merci beaucoup. Quel Peut-être quelque projet? chose à rajouter, Zedric. Non, bah c'est tout ça. On avait commencé et on s'est dit qu'il fallait refaire, reprogrammer. Ah, il est parti. Tac. Il est parti dans les sous-sols de Poudlard. Là, Ah, il a je une très pense que mauvaise c'était connexion. bien d'être en bêta, mais c'était pas complet comme on voulait que ce soit complet. Et on voulait vraiment finaliser le projet comme on l'avait en tête depuis le début. Ah. Et non, Canada, je n'ai pas ta Allô? question. Ta question sera dans une autre question que je vais Ouais, mettre. Je vais en c'est bon. profiter. Je mets dans l'ordre mes questions. Sinon, je vais être perdu. Il n'y aura aucun sens. C'est pour ça. Donc, le Ah, projet, c'est un Poudlard RP. Voilà. parce que faut quand même savoir que du coup, donc on est la communauté Wizarding War, mais Zeldric qui était présent ici et même Jules qui était staff là-bas, ils viennent d'une autre communauté qui était présente depuis, on va dire, de bonnes années dans tout ce qui est Poudlard et même autre tout ce qui est serveur Gemmon, qui s'appelait la communauté Secret Dynasty. Je Donc, connais, hein. que sûrement tout le Connaissance, monde, hein. enfin, Il y a eu tout le monde une série. Il y a eu doit une série connaître. dessus. Il y a eu une série dessus. Secret Dynasty, c'est qui était là. Ça date, hein. Il y a une série YouTube dessus, Voilà. genre. Début de mes streams. Donc, c'est vraiment un projet Ouais. qui est là depuis des années et qui se finalise vraiment plus en détail ces derniers mois. On n'est pas non, enfin, entre guillemets, on n'est pas nouveau dans le truc. Voilà. Juste Kalendas, non, tu connais, c'est là qu'on s'est rencontré, espèce d'idiot. Avec Orion. Quand on a pris le serveur, quand il y avait le souci que c'était là-dessus, c'était ce serveur-là, Secret Dynasty. Quand on avait pris le serveur avec Zebril. Avec le culte de Salem. Eh oui, Cult de Salem. Putain, ça y est, ça revient là. C'est la première fois qu'on était gérant. Alors oui, Avec le culte de. j'ai déjà ouvert un serveur. Oui, j'ai ouvert trois serveurs. Mais ça n'a rien à voir. Moi, les serveurs, ils sont fermés maintenant. On a fait une aventure la semaine dernière. Vous avez, je vous rappelle, l'épisode presque sur la vidéo de l'épisode sorti. C'était des serveurs scénarisés. Ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment un Dark RP, du RP Poudlard où donc il y a, comme je rappelle, parce qu'il y a le début, deux factions. Il y a les adultes qui ont vraiment du RP adulte. Donc il y aura le ministère, vraiment du vrai RP adulte, pas du RP adulte prof. Comme ce serveur, où vous arrivez en mode vous êtes prof, c'est tout en tant qu'adulte. Là, il y a vraiment du. Vous pouvez lancer un vrai lore sur l'adulte, j'ai bien compris. Et il y a après l'RP enfant qui est l'RP enfant, quoi. Voilà, c'est si je résume bien. C'est Donc ça, c'est et ça. faut aussi D'où retenir que c'est super important qu'une fois que tu es enfant, tu as vraiment une évolution. C'est-à-dire quand tu auras réussi tes examens, etc., et que tu passeras ton diplôme après ta septième, tu deviendras du coup automatiquement adulte et tu auras vraiment une dimension adulte aussi qui sera créée avec ton personnage qui de base était enfant. Il y a vraiment une ça, c'est progression bien. dans l'histoire. Ça, c'est bien. C'est Train du Will, c'est le skin de Radagast, qui Ethan n'a jamais quitté depuis plusieurs Ouais. serveurs Poudlard. Ah bah, problème technique.
peut pas faire mieux. Alors, donc la question là-dessus, donc il y a des questions qui ont été posées comme Canada, celle-là que je vais bien la garder parce que c'est pas tout ce que je vais dire après. Donc je vois qu'on voit l'interface qui est déjà vachement bien l'interface, déjà un gros GG pour le truc en bas à gauche, j'adore le truc. On peut remercier Jules ici présent qui a tout fait lui-même, tout codé. Ouais. Ah, déjà du gros GG. Je vois qu'il y a une horloge. Je vois qu'il y a une horloge. Je me trompe de côté sur ma caméra. Qu'il y a une horloge. L'horloge correspond à ce qu'il y a des horaires où il y a des cours et des horaires. Des horaires et des cours qui sont en fait via un emploi du temps que je vais te donner en jeu. Comme ça, tu pourras potentiellement le montrer. Ici, je dois juste le revoir un peu au niveau de l'alignement, mais sinon, c'est plus ou moins la version finale. Ok. Donc là, voilà, ouais. Notion qu'on va faire visiter tout. Voilà. Donc là, il y a donc un ancien emploi du temps. Après, après une question, voilà, moi ce que je voulais dire, c'est est-ce que vous avez un... Dans l'époque, vous êtes dans quelle époque à peu près ? À quelle époque ? Parce qu'on voit qu'il y a Ombrage, vous vous mettez vers quelle année, dans Poudlard, etc. Tout ça, vous êtes où à peu près ? En 1995, du coup, vraiment lors de l'arrivée de Dolores Ombrage à Poudlard. Et donc vraiment, tout se passera en fait comme si la rentrée venait de commencer dans les livres. Mais par contre, tout ce qui va se passer dans le serveur influera sur l'histoire. Donc ça veut dire qu'on n'essaye pas de reproduire les livres. On prend juste le background et après on évolue de manière à suivre les événements en jeu. Donc s'il y a par exemple, je sais pas, Dolores Ombrage qui meurt, bah, elle sera vraiment morte dans notre lore. Ça c'est intéressant, enfin on peut buter ce connasse, pardon. je sais qu'il y a un fan là-dedans. Donc ouais, donc il y a le planning bien fait et tout. Alors la question que j'ai c'est... Alors normalement je crois que... Ce que je vois que t'écris matin... Quelque chose qui s'appelle journal de classe. Ouais, je l'ai. Il apparaît dans mes yeux, là. Là, il est bien fait. Il est... Ah, il fait tout noir, j'ai peur. Imaginons le samedi. On se prend quelque chose le samedi. Alors, il faut savoir que le samedi, en fait, soit il sera passé, soit en fait, ce sera donc des petites scènes RP qui seront regardées par les professeurs, des sorties, etc. Okay. Mais de base, dans l'histoire de Poudlard, le week-end, normalement, il n'y a pas de cours. Donc, on essaie vraiment de reproduire un maximum le temps. Du coup, le week-end, soit on le passera en jeu, soit on fera des petites sorties organisées par les professeurs, etc. Voilà le truc, ok. Pas d'alchimie, j'ai pas l'impression. Il faut savoir que l'alchimie, en fait, c'est une option, on va dire ça, qui est entre 6 et qui a lieu en fait dans la 6 ou 7e année dans le vrai lore de Poudlard. Donc c'est une matière qu'on n'a pas repris dans le sens où c'est quelque chose qui se passera du coup en tant qu'option. D'accord. Dans les hautes années. Ok, ouais, c'est, pas... c'est pas un truc officiel, c'est un cours. À part. Alors, il y a des questions intéressantes, en même temps, ça me donne plusieurs questions, parce qu'il y en a plein qui sont rajoutées que ça. Autre question, comment passer les cours ? Est-ce que les élèves vont être séparés par rapport aux années, par rapport à tout ça ? Ça va être comment ? Ça, ce sera justement quelque chose qui va être fait au fur et à mesure des années, mais vu qu'au départ, tout le monde sera la première année, tout le monde, théoriquement, aura plus ou moins les mêmes cours. Il y a des gens qui vont avoir des rattrapages, parce que forcément, lorsqu'ils ne sont pas présents lors du premier cours, ben voilà, ils vont devoir rattraper le retard pour dire de réussir leurs examens pratiques et théoriques. Mais par la suite, en effet, les cours de deuxième seront différents de ceux de première, etc. Et ça sera organisé par justement le corps professoral, qui a vraiment toutes les cartes en main pour faire ce qu'il veut grâce au système de faction, etc. Ok, alors, tant qu'on rebondit là-dessus, comment en nombre d'années, à peu près combien de temps pour les level up, etc. Ça marche comment le système ? Alors, ça c'est très simple. Pour monter d'année, tu suis tes cours théoriques et pratiques. Une fois que tu as tous les sorts tu pourras, et que tout le monde est prêt, du coup, il y aura des examens organisés par les professeurs et par le directeur, du coup. Et donc, tu devras passer des petites étapes sous forme d'examen pratique. Et en plus de ça, donc, tu devras remplir ce petit livre que je vais te mettre, qui n'est pas la version finale, mais qui donne déjà un premier aperçu du système d'examen que j'ai créé. Ah ouais, la caisse de proposition n'est pas sur le siège du fit. Oh putain, il y aura de l'astro, oh merde. Oh putain. Allez les gars, on va voir, bam, sortilège. Attendez, moi j'ai à fond dedans moi. Putain, c'est trop bien. Oh merde, il fait l'astrographe. Ah ouais, putain, c'est bien fait hein. Ah ouais, enfin vraiment, j'écoute les cours alors pour une fois. On va peut-être les gars jouer pour adulte hein. Donc vraiment le système on va faire mode rapide, d'XP est complètement parti. C'est vraiment un truc qu'on ne voulait pas du tout garder. Et qui n'est pas du tout RP dans le fond, hein. La barre d'XP qui augmente suivant le temps que tu passes sur le serveur. Non. Parce que quelqu'un qui se connectera moins que ton ami en jeu aura forcément moins de cours, moins de sortilèges, moins d'XP. C'est sûr, voilà. Donc il passera moins vite. Alors que là, avec le système d'examen, les personnes qui veulent évoluer, elles font en sorte d'apprendre leurs cours, etc. Et à la fin de l'année, il y aura une date qui sera prévue pour fixer des examens et là tout le monde pourra passer. Ici, l'examen aléatoire, j'ai 12/20, les gars, facile. Hein.
Voilà, à savoir que pour l'instant, c'est sous la forme syncope, ça, de 10 questions, mais qui sont prises en fait sur environ une 30-40 de questions, et encore ça augmente au fur et à mesure. Donc ce sera vraiment aléatoire dans toutes les questions. Ah, je vois. Non, non, le truc est hyper intéressant là-dessus. Alors, Kanda, je peux même répondre, parce qu'en même temps, ça fera un petit résumé. Est-ce que t'as peur sur Rondondin avec Voldemort? C'est que non, si j'ai bien compris, je préfère un résumé à peu près, si dans mon point de vue, ce que j'ai compris. C'est que on va, là, en fait, j'ai compris, ils prennent bien Harry Potter 5, ils prennent le lore de ça. Mais en fait, tout peut être modifié. C'est, je sais pas, imagine que Dolores Ombrage glisse dans l'escalier à cause d'accroche-pattes qu'on peut lui faire, et bah, plus de Dolores Ombrage. Donc, y a pas tout ce qui se passe après que Dolores Ombrage dans les films. En fait, tu peux modifier le lore. En fait, il passe sur une barre, sur une base, qui après se modifiera par rapport aux événements, en fait. Tu peux très bien, par exemple, créer un sorcier adulte, le faire devenir un mage noir, et potentiellement devenir aussi l'ennemi public numéro 1, par exemple. Donc, le méchant, oui, il y a Voldemort, mais théoriquement, il n'y a pas que Voldemort en mage noir. Voilà, ça qui est bien. On a bien distingué les deux. Vu que c'est un système de faction, encore une fois, il y a la faction des mages morts, Voldemort, tout ça. La clique. Derrière, il y a la faction des mages noirs. Si tu as envie de créer ton propre sorcier qui ne veut pas du tout être imposé par les lois magiques, etc., et qui veut se rebeller ou des choses comme ça, hein, ou même faire son petit truc dans son coin, si jamais il a envie de sacrifier des petits animaux pour faire un rituel satanique, il fait ce qu'il veut. Voilà. Allez les gars, on va sacrifier des animaux, c'est parti. Allez, RP sacrifie des animaux. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on veut éviter vraiment qu'il y ait de cases. Et que chacun... En fait, t'es libre. En fait, tu crées ton personnage dans le monde, t'arrives dans un monde et tu fais comme tu l'es voulu, comme tu veux. Si t'as envie d'être tavernier, tu... Ce que tu veux. Oh, dis pas ça, ça finit avec tavernier avec Kanda, ça passe une soirée là-dedans, quoi. donc, il y a des contrats d'attrapage, Kanda, si je prépare ta question. Pourront-ils organiser des contrôles, les professeurs? En fait, pour l'instant, il y a le système d'examen que vous avez vu. Mais en fait, c'est un système ultra... Il est bien fait hein, parce que c'est moi qui l'ai fait, mais en gros, ça permet en fait aux professeurs, s'ils ont envie de créer des examens, de tout simplement m'envoyer les questions et en même pas 3 minutes, je fais en fait leur système de petit examen, en fait, juste un petit test comme ça. Donc vraiment, tu peux faire ce que tu veux avec cet add-on. Donc c'est pas juste un système d'années, ça te permet d'avoir même des petites notes qui peuvent compter par exemple dans ta note finale. D'accord. Salut Chaud, comment tu vas? Comment tu vas mon petit Chaud? Alors, bon maintenant on a des questions, au pire on peut commencer un peu à se balader, si vous voulez me faire visiter. Ouais. En même temps j'ai encore une... Avancé. J'ai encore 2-3 petites questions que j'ai pensées. Ok, ça c'est stylé ça. Okay. Ça pète. le système d'Animagus, le garou, métamorphomage sera disponible aux élèves? Il est disponible à tout le monde, mais il faudra bien sûr les étapes. Comme dans Pinecone, alors du coup, ce sera pas non plus. Ouais, il faut les débloquer quoi. Il faut... Tout le monde. C'est vraiment quelqu'un qui suit bien la chose. C'est pas juste okay. Tu arrives, tu demandes à l'aide. Non, c'est vraiment tu suis les étapes pour l'aide. D'accord. Bah, le stream, vraiment, nous, on choisira ce qu'on fait. Soit on va être. Soit... Normal, normalement, t'es encore sub là, chaud. Je pense que c'est peut-être dans une à deux journées que ça se finira. Juste pour vous dire, le stream, nous, vous ferez un choix. On choisira soit élève, s'attaque, et après, vous choisirez dans quoi on partira. Ça sera, entre guillemets, mon aventure RP va être liée par rapport à vous choisirez. Bon, franchement, deux persos, c'est un perso adulte, parce que je pense que le RP adulte peut être très stylé. Je pense. Ouais, après, on en a peut-être pas encore parlé. Par rapport à tout ce qu'on avait prévu, Jules et Tan, je sais pas si vous voulez qu'on en parle ou pas encore. Putain. Oh ! Est-ce que je bug ? Non, t'entends bien ce que je suis en train de faire dans une case, je sais pas ce qui s'est passé. Je parle par rapport à tout ce qui va être RP adulte. Est-ce que vous voulez qu'on en parle tout de suite ou c'est pas prévu ? Tu peux en parler si tu veux. Ouais. Du coup, pour tout ce qui va être RP adulte, donc faut pas attendre ça tout de suite, parce que c'est encore en création. Donc là, pour l'instant, sur ce serveur, comme tu pourras le voir et comme tout le monde pourra le voir, il y a exclusivement le château. Donc c'est vraiment le château Poudlard. On essaie de faire en sorte qu'il soit le plus grand possible, avec le plus de salles possible, le plus de couloirs. Donc pour le RP adulte, entre guillemets, à Poudlard, il y a vraiment très peu d'options, à part professeur, mange-mort, enfin mage noir, tout ça. Mais par la suite, on est en train de s'occuper de faire un deuxième serveur qui sera, lui, vraiment le monde magique. Donc, Azkaban, une petite partie de Londres avec le chaudron baveur, la gare de Préola, enfin, avec Préolard, pardon, la gare de King's Cross, le ministère, Azkaban, vraiment tout ce qui va avec, faire vraiment une sorte de dark RP magique. Et les deux serveurs seront reliés sur la même base de données. Donc, un personnage adulte
pourra, après ses études à Poudlard, se rendre sur ce deuxième serveur pour exercer sa vie de son côté. Ouais, séparer les deux. Ouais, je comprends. Ouais. Séparer les deux pour qu'il y ait l'aspect tac. Ça Poudlard et, voilà, et surtout que les deux serveurs soient très gros en soi, que le Poudlard ce soit vraiment le château qu'on... Parce que sur Hammer, je veux dire, ça prend de la place. Ouais, voilà, ça soit vraiment que le Poudlard, et après l'autre serveur, que ça soit le serveur adulte où tu fais ta vie en fait. T'as ceux qui veulent aller à Poudlard, sur le serveur Poudlard, et le serveur vie actif en fait. C'est ça. Après, voilà. C'est complémentaire. Hein. Ça veut dire que les élèves, ils vont aussi devoir aller sur le deuxième serveur, par exemple, pour aller dans des endroits bien précis du monde magique. Vous comptez faire une connexion un peu à la FU ou pas? Exactement, oui, ça. C'est ça. C'est le principe, voilà, ouais. Parce que la FU, je sais qu'ils ont connecté leur serveur et tout. Voilà. Alors, attendez, Boss, c'est un Poudlard RP, ce sera le nouveau Poudlard RP que c'est la semaine prochaine. J'aimerais redire pas de soucis, mon petit show. Salut Nez, salut Liberty. Et non, ça n'a pas marché. Je sais pas comment ils sont descendus en bas, mais moi je me suis cassé trois fois les chevilles. Mais voilà. On était à ça, Kendas, de réussir. Ouais, ça en gros, c'était les. Comme tu pouvais. C'est le diable. Oh et en gros, là, c'est les clés. Oh, mais il y a la lumière et tout, mais putain, c'est propre, hein. Alors, question que j'avais, donc le lore était dit par rapport à ça. Il y aura des joueurs, donc des joueurs qui vont jouer tout Harry Potter et tout, vous allez pas les mettre dans le truc. Alors, en les fait... personnages de la saga. C'est ça? De quoi? Les personnages de la saga, tu parles? Ouais, voilà. Ce qui peut être... Alors, c'est les personnages de la saga, en fait, ils seront disponibles, mais ce sera une grosse whitelist, du coup... On va dire qu'il y a une personne qui pourra jouer un personnage, mais théoriquement, en dehors de cela, on va quand même essayer d'éviter de se retrouver avec que des personnages de saga qui sont un peu moins de jouer. On veut vraiment que ce soit... Si quelqu'un joue un personnage de saga, ce sera vraiment à la perfection. Ok, ouais, voilà, c'est que ce soit des... C'est un peu... C'est vraiment du... si tu joues un personnage de saga, il faut le respecter et qu'il soit bon, quoi. Ok. C'est vraiment pas le truc qu'on va privilégier. Oh, non, mais c'est pour ça. On va privilégier le personnage... L'original character. Voilà, c'est des fois il les faut pour pouvoir avancer, mais c'est pas en priorité quoi. Voilà. Ouais, même, voilà. Ouais. Je demande encore. S'ils se déplacent. Les trucs, s'ils se déplacent, je pense pas qu'ils se déplacent, les pions. Je pense que c'est juste du. Alors, théoriquement aussi. Mais là, tu as juste de la chance que j'ai pas encore mis les pièges, mais en fait, regarde. Bon, c'est encore en travail, hein. Enfin, en travaux, pardon. Mais du coup, les pions se déplacent et du coup, tu peux faire échec et mat. Oh. C'est propre. Alors, juste merci beaucoup, Eric, pour le sub. Merci beaucoup. Je mets les scénarios XP en x2 pendant 5 minutes. Je vais juste faire un petit trou. Le fameux jeu d'échecs. Et oui. Un système de taille pour les élèves, par exemple, que les premières années ne fassent pas la taille d'un adulte. Vous l'avez mis en place, ça, bah, c'est justement déjà le cas. Voilà. Hein, regarde, si tu fais point d'exclamation tiers, tu peux regarder en troisième personne et tu verras que tu es bien plus petit. Ouais. Attends. Ah ouais, attends. Ah, wow, putain. H-I-R-D-E. Ouais, mais attends, j'ai un truc qui s'est ouvert. Merci beaucoup, Kadrick. Je te donne tes gros codes, ça bouge pas. Il peut peut-être décause la map, comme ça il peut remontrer les échecs. Ouais, c'est le choix. Je vais devoir changer le jeu maintenant qu'on a donné la réponse. Oh, bah, au pire, la taille, voilà, au pire, vous la verrez, les gars, comment il faut tout que je paramètre. Je me connais. Attendez. Après, ça, sachant que c'est le troisième étage, c'est vraiment plus de Easter egg. Hein. Ça, je refais juste un petit clean-up, du coup, ça va faire semblant que ça craque, mais ce n'est pas le cas. Alors, 2000, en tout cas, merci beaucoup pour tous les follow, pour les subs, merci beaucoup énormément, messieurs, merci, vous êtes plus de 20 sur le stream, merci. Alors, tiens, ça t'a tout compte, et Kadrick, grâce à l'argent sur le stream, tu peux, il neige comme jamais chez moi, d'accord, tu peux voir le shop, voilà. Tu peux voir le shop, il y a plein de défis à me mettre. Nickel, Archimus, c'est des défis de la soirée propane, bien joué. J'ai une question, vous avez une intro ou un logo? Ouais, ils ont tout ce qu'il faut, normalement, ils ont quelqu'un qui en fait travail. Ah, moi, ouais. Je crois qu'ils ont fait un qui est vachement beau. Oui, on peut potentiellement le montrer enfin, alors. Ouais, je le montrerai après, je le montrerai. Un thriller qui doit venir. Et moi, ça va nickel, et toi, Demon? Juste l'IP, j'aurai tout à fait Islam, j'aurai tous les Discord, vous aurez tout le Discord et tout. Alors, quand j'étais là-dedans... Je t'invite à faire les pions, si tu veux. Vas-y, alors attends. Faut déplacer lequel? Attends, parce qu'on voit les échecs. Faut trouver. Ouais, moi, les échecs, je suis un joueur de dame, quoi. T'as de la chance que les pièges ne sont pas encore faits parce que sinon tu serais déjà mort. Mais en gros, la seule position possible au départ, c'est quand tu te mets ici. Du coup, ça va faire bouger l'ennemi, puis tes pions à toi vont bouger et ensuite, toi, tu peux faire ce déplacement-là. Tu as de la chance que les pièges ne sont pas encore faits parce que sinon tu serais mort depuis longtemps. Combien d'élèves du coup? Ben, ZL, ça va dépendre du nombre de joueurs, je pense. C'est ça? Ça dépendra du nombre de joueurs. Alors, vous avez respecté le livre, pas le film, d'accord. Avec les potions comme dans le livre. D'ailleurs, non, vraiment, quand j'ai clean, ça a changé la couleur des potions.
Du coup, ce serait un peu plus compliqué que ça pour dire de réussir. Ouais, normalement, elles sont colorisées, les Oh, tu fais un cul sec. Importe. numéros. C'est le clean-up, mais je vous laisse faire, hein, je vous regarde de loin. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Regarde, Calendas, bois laquelle? Faut faire confiance à son instinct alcoolique, vous allez voir. En tout cas, on va dire la bonne. Un vote. Je bois laquelle, les gars? Fais point d'exclamation cash, Kadric. Milieu? Milieu, le gros tube là? Quand t'as une grosse chicha? Allez. Point d'exclamation devant. Non, t'as bien 2052. Enfin, let's go. T'as fait eux? C'était pas celui-là. Voilà, celui. Non, c'est pas celui-là. Non, 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 non. Essaye tout, essaye tout. Ouais. Un HP, les gars, un HP. Ça survit. Il y a un délai pour le commande du bot. Et normalement. Ah non, en bas c'est les points de chaîne, c'est pas pareil. Les points de chaîne, juste pour ceux qui découvrent par rapport à Twitch, les points de chaîne c'est un truc que vous avez par rapport à Twitch, donc il y a les défis. Et si vous avez le cash, vous faites pas scanner sur shop et vous avez les trucs dans le shop en fait. Dans le cash. C'est deux trucs différents. Bon, c'était pas celle de gauche, celle de. Je dead. Mais non, dead pas, regardez. Vous êtes prêts, regardez. Non. Le problème c'est que je suis petit aussi, je déplace pas la table. Oh! Allez. Ça c'est pré-shoot. Ah ouais, c'est quand même bien fait. Vous êtes quand même chauffé. Alors il réfléchit pas encore parce qu'il faut calculer la cube map, mais c'est ce qu'on fait lorsque la map est en version finale, ce qui n'est pas encore le cas. Du coup, d'ici samedi, tout sera réfléchissant et tout ça. D'accord. Connaissance d'Eldrick, y a-t-il des sorts inédits? Qui c'est qui pose la question? Kalendas. Alors, il y a des sorts inédits, c'est sûr. Rien d'autre à venir Après, encore. voilà, y a d'autres choses qui sont en préparation. Il y aura Oui. plusieurs mises à jour histoire que vous n'ayez pas tout dans la vous. Donc, faut rester patient, faut avoir envie. Ah C'est quand bah même une série, voilà, on vous sort des la gros première saison, bisous. ensuite il y a la deuxième saison. Mais ouais, il y a de l'inédit. Ah c'est bon. Alors x3 pendant 3 minutes, merci beaucoup pour ton resub mon petit show. Merci beaucoup pour ton resub frérot, merci beaucoup pour Le les serveur sort le 14 23, mois. mais on continuera toujours de le développer et la map aura des mises à jour de Confiance. temps en temps. Voilà. L'image ça va évoluer quoi. Là, on a vraiment le gros et les détails. On n'est Ok. pas là pour dire de juste fournir allez, un truc et puis ne plus y toucher. On est vraiment là pour faire un gros travail quotidiennement quasi. Ouais, je vois le truc, je vois. Ton gainage après, mon petit show, t'inquiète, attends, 30 secondes de gainage après. C'est beaucoup chaud. Cédric, je le levé de coude de Herbert. Ah, Hein? Cédric, Kaldric Ça c'est te Kendrick défie ça, oui. au lever de coude de Herbert. Hein. Il y a un Eh petit ben, défi qui est on va faire parti. ça. Non mais. Kalendas qui fout, alors là, mais. Oh! Merci beaucoup! Vous savez quoi, je vous mets x5 pendant 5 minutes à ce niveau-là. Merci beaucoup, ça, merci beaucoup pour tous les subs, pour tout ça. C'est un groupe en ce temps-là. Avez-vous d'autres questions, messieurs dames? Sinon, je continue mes autres questions. Merci beaucoup, Kalendas. Enfin, toi, ça va, Demon. Demon, t'as des émotes. Je vais te confronter pendant 1 minute, Kalendas. T'inquiète pas, je te ferai ça avec une musique sexy, t'inquiète. Là, t'inquiète, on note ça, Kalendas. Et Dark Music qui aide. Et messieurs dames, attendez. Vous venez de lancer un troll live là. Vous venez de lancer un troll live, messieurs dames. Vous venez de lancer un troll live. Je sais pas ce qui se passe, mais un troll live est parti, messieurs dames. Donc, les connecteurs de train, vous allez avoir des émotes spéciales. Et donc, à partir de maintenant, le chouchou est lancé. Et il est bientôt fini au niveau 1. Merci beaucoup. N'importe quelle bise, n'importe quel truc fera cela. Merci énormément, messieurs dames. Vous avez lancé un troll live là. Vous venez de lancer un chouchou. Un chouchou est parti. Voilà. Je dois faire 30 secondes de gainage. Faire un compliment. Et Darkimus, tu peux même te tuer pendant 3 minutes. Voilà. On fera ça à la fin du train de live. On fera un petit ban, réfléchis à ton ban, Darkimus. Bon, alors retournez sur les questions. Merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup. Alors, ban Kalendas. Ok, bon, ban Kalendas pile à la fin des questions. On note ça de côté. Question. Alors, attendez. J'en ai noté. Il faut me retrouver. Donc, là, on a déjà parlé. Personnage unique. Donc, le serveur ou bien samedi à 14h, c'est ça? C'est bon. C'est ça. Il y aura une cérémonie d'introduction pour les élèves, etc. et tout. À Poudlard, du coup, on fait comme à Poudlard. Ah, c'est parfait, attends. Je suis tout seul. Ça refait ça, mais ça passe niveau 2 le train. Ok, je comprends rien ce qui se passe. Le train, mais c'est un passe au niveau 2. C'est beaucoup d'Archimis pour ton autre sub offert. Kainas qui reprend notre sub. Putain, ça des grands malades. Ok, il se passe des trucs. Notre truc qui part.
Darkimis, si on gagne ton sub encore pendant une semaine, ton VIP. Et Kalendas, bah rien. Merci beaucoup les gars pour le level 2 du train. Merci énormément, ça fait que le sub goes en TKT. Merci beaucoup. Merci énormément pour votre soutien. Merci beaucoup les gens, merci énormément pour votre soutien, merci pour le train qui est en train de tag. N'hésitez pas à remercier ceux qui vous ont fait des subs, faire quelques émotes, un grand merci. Et profitez-en, messieurs, l'XP, les x5 pendant 5 minutes, c'est quoi? Pendant que je vais vous poser encore des questions, je vous fais un petit bingo. Voilà, un petit bingo, train entre 1 et 100, XP farmé. Après, pour les questions, les rôles de prof, il y en a déjà qui ont pris, donc ça veut dire qu'un mec qui voudra être prof sur le serveur, tu auras passé des tests et tout. Alors. Pour le moment, donc à l'ouverture, les profs ce seront des staffs déjà certaines personnes sur le Discord notamment qui ont donc passé une candidature et qui ont donc été sélectionnées et acceptées. Mais à partir de l'ouverture, ce qu'on souhaite vraiment, et ça vaut pas uniquement pour les profs, mais aussi pour tout ce qui est, par exemple, la faction des Mangemorts ou autre, tous les Aurores, etc., tout job adulte ouais. Où il y aura besoin, là où il y a du grade, entre guillemets, ce sera au chef de la faction, donc par exemple pour... Poudlard et donc les professeurs, le chef de la fonction, c'est Dumbledore actuellement et le directeur. Mais okay. Ça, ce sera bien sûr. C'est du recrutement après t'as du recrutement quoi. Meurt un jour, ça peut être quelque chose. T'as du recrutement en fait, ok. C'est ça, c'est vraiment de l'entretien de la personne. Ce sera la personne qui sera donc whitelistée, Dumbledore, ce sera sûrement un staff, qui passera directement l'entretien pour recruter les professeurs, etc. Ok. Salut Yannick, comment tu vas? Merci beaucoup en tout cas. Le bingo est gagné, donc pas besoin de spam, messieurs dames, voilà. Et voilà, merci beaucoup pour le train, messieurs dames, qui est niveau 2. Et donc ça veut dire qu'un mec qui joue un personnage adulte et qui veut devenir prof va avoir le direct Dumbledore, avec candidature, et Dumbledore lui fera passer les tests. C'est ça. Mm-hmm. Ok, donc ouais, c'est vraiment l'aspect. Il y a vraiment l'aspect. Quand en fait, au début, ça va être un peu des gens qui ont éduqué et tout, mais en fait, dès que le serveur va être lancé, c'est vraiment tout se fait in-game, quoi. C'est vraiment tout l'évolution et tout. C'est-à-dire qu'un élève qui a été élève à Poudlard passe après dans la partie adulte quand il devient adulte. Et à ce moment-là, il peut aussi être candidature en tant que dans des gros rôles parce qu'il peut demander aux gens et tout. D'accord. Tout à fait. Ici, il n'y a pas de whitelist. Okay. On va dire. Enfin, à part pour les personnages de la saga voilà. Au départ. Mais sinon, en fait, ce sera juste des entretiens d'embauche. Et en fait, ce sera juste votre RP. Une sorte d'arc RP, quoi. C'est un gros dark RP Poudlard, quoi. On pourrait dire en gros. On va dire ça. Alors, je vois en bas à droite qu'il y a des galions. À quoi ça fait galions sur le serveur? Ils servent à beaucoup de choses. Ils servent à acheter une maison, parce que vous pourrez acheter une maison. Ils servent aussi à acheter des skins de baguettes. Ils servent à acheter énormément de choses. Aussi des pétards, des feux d'artifice. Tout ce que vous pouvez acheter dans la vraie vie, théoriquement, vous pourrez l'acheter ici. Ici, ce sera vraiment utile pour sortir vos balais aussi. Donc, c'est la monnaie du jeu. Qui est au centre de tout, c'est pas juste voilà, un affichage, c'est d'ailleurs pour ça qu'on commence avec très peu de monnaie et qu'on gagne quasi rien et que la majeure partie des salaires qui vont être offerts ce sera via l'économie du jeu et ce sera à vos patrons de d'accord de ouais, donc si ce sera au directeur donner plus d'argent au professeur parce que sinon ouais. On va gagner. D'accord, ok, je vois ça. Salut Gabi, ça se coupe, follow. Alors par rapport à notre serveur, le serveur se situe au début, je suis intéressé parce qu'il y en a une tête. Le serveur se situe au début d'Harry Potter 5, mais en fait tout est variable. Prenons un exemple, je prends l'exemple comme je disais tout à l'heure. Imaginons qu'Ombrage qui a un escalier parce qu'on lui fait accroche-patte parce qu'on n'aime pas ce personnage, et bien plus d'Ombrage, donc il n'y a plus tout ce qui se passe dans Harry Potter 5. En fait, tout peut être modifié. On commence par une base qui est la même base, mais en fait tout peut changer en 30 secondes. Voilà. En fait, les événements, il y a personne n'est sauvé. Genre vraiment, il y a un mec qui joue Harry Potter qui se prend un Avada Kedavra dans la rue, et ben il mourra. De toute façon, dès l'ouverture, dès la rentrée, le moindre petit détail changera au fur et à mesure de l'heure. Voilà, c'est ça. Des choses qui auront plus de conséquences que d'autres. Mais voilà, tout peut changer. Imaginons qu'il y a un autre groupe qui fout le bordel, ça peut foutre le bordel encore plus dans la série qui n'a pas de base. L'heure sera forcément changée. Va-t-il y avoir des élèves mange-morts? Alors là. Théoriquement, tout peut se faire dans le sens où même un professeur pourrait faire partie des mange-morts. Donc c'est RP quoi. Voilà, si on prend l'exemple de Rogue de base, c'est aussi un mange-mort de base. Du coup, s'il y a un professeur qui postule à Poudlard et qui est mange-mort de base, il peut tout à fait être professeur et mange-mort. Pareil pour les élèves, même si c'est un peu plus rare, il peut être partisan des mange-morts en mode aimer les idées des mange-morts et participer un peu à leurs idées.
tant que c'est vraiment réaliste. Il ne faut pas non plus arriver de nulle part et dire voilà, je suis mange-mort, ça non. Mais s'il y a vraiment des relations avec des mange-morts, pourquoi pas? Mais ça doit se faire correctement. C'est ça. Alors, je réponds aux questions. Alors, je vais vous donner maintenant tous les Discord, moi, il sera fait. Déjà, merci pour le train live. Vous avez passé le train live du mois. Plein d'émotions débloquées, c'est pas des émotes dans le chat. Et surtout, ceux qui ont lancé le train live, vous avez le petit chouchou que vous pouvez mettre devant vos pseudos. Il y a un petit chouchou maintenant. Alors, il y a des joueurs whitelist pour les personnes. Oui, les personnes de la saga sont sous whitelist. Voilà. Ils ont des whitelist perso parce qu'ils seront pas. Et normalement, si c'est pas de bêtises, un mec qui joue un perso de la saga doit passer tout le temps. C'est vraiment le sentir à des moments spéciaux, quoi. Un peu. Alors. Pas forcément dans le sens où moi par exemple je joue Dolores Ombrage, je jouerai uniquement Dolores Ombrage et quand voilà il faudra changer un peu parce que je n'ai pas vraiment d'utilité, je jouerai du coup en tant qu'élève. Mais un personnage de la saga peut tout à fait jouer tout le temps tant qu'il fait vraiment voilà. Des actions concrètes et réalistes. Il ne doit pas rester, ça ne doit pas être un pot de fleurs au milieu d'une salle. Je il vois. Doit vraiment avoir un rôle, voilà son rôle. J'ai une question qui a rien avec tout ça, mais j'ai une question. Ça va dans la vie toi? Parce qu'aimer Dolores Ombrage quand même. Alors, je n'ai pas dit que je l'aimais bien, c'est la différence, mais je trouve que c'est un personnage intéressant de par sa complexité. Oui, voilà, elle est bien faite. Alors, non, les personnes, pas, voilà, candidature, c'est pas candidature, les profs, ouais. Les profs, c'est simple, c'est que tu fais un adulte, ton adulte, il a envie d'être prof, et ben il va contacter Dumbledore et dire, je vais être prof de ça, il y a un entretien d'embauche, quoi. Oh, en gros, c'est juste avant l'ouverture, du coup, c'est à nous qu'il faut s'adresser voilà. Pour l'ouverture, mais dès que le serveur est ouvert, donc dès samedi, vos candidatures seront faites auprès du directeur. Donc, vous ramenez un CV, vous expliquez ce dont vous êtes capable, et puis le directeur va vous poser des questions, j'imagine. Et du coup, vous allez devoir faire en sorte de le satisfaire. Et si vous l'avez satisfait, vous pouvez donc rejoindre l'équipe professorale, tout simplement. Voilà. Mais derrière, il faut quand même que votre personnage soit réfléchi et qu'il voilà. C'est pas wesh, je vais être prof. C'est ça. Voilà, c'est voilà. Alors juste par rapport à la map, vous la découvrirez samedi. Moi, je vais vous montrer les screens qu'après on a, ce qu'il y a des screens que j'ai dans les trucs et tout, on montrera. Donc là, vous voyez une partie, voilà, la map est vraiment travaillée. On veut quand même que vous voyez tout ça. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu parlais tout à l'heure de balai? Est-ce que vous avez réussi un peu à réparer tout ce qui peut être les vols? C'est pareil. Savoir si vous avez réussi. Oh, alors ça. C'est... Est-ce que tu t'es attaqué? T'as attaqué à la bête? Alors, pour tout ce qui est balai, c'est en cours de création, donc on va avoir un add-on exclusif, inédit, qui est la reproduction du Quidditch dans Harry Potter. Donc, plein de types de balais, les balles, le Quidditch, un système de points, donc un système d'équipe aussi, il y aura des spectateurs. Vraiment, on a reproduit, donc c'est en cours, hein. Le projet il sera fini d'ici quelques... peut-être un mois ou deux, ouais. Si je dis pas de bêtises. Donc ouais, vraiment c'est un très très gros projet avec plein de balais, un vrai système de Quidditch, un compteur de points. Vraiment ce sera tip top. Ok, là tu sais parler à tout le monde qui a déjà fait un pot d'RP, parce qu'on a tous connu le monde vol où on s'est pris des murs. Voilà, où il y a eu des morts assez accidentelles à cause du vol qui était pathétique. Bon bah d'accord, ça c'est hyper intéressant ça. Alors ça je crois que les balais sont réparés du coup, oui. Ah, ça c'est là tu sais parler avec le cœur là parce que and the Quidditch World Cup, ça va partir là-dessus. Zébril, oui, Zébril avait des problèmes de balai, ça lui est arrivé, le pauvre. Oui, il y a ça sous. Même Ethan avait des problèmes de balai. C'est la donne de base en fait de balai. Celui que j'avais, franchement, celui que j'avais sur mes serveurs, moi, on se faisait pas chier. Voilà, c'est la donne de base. Ici, justement, ce sera un add-on qui est basé sur celui-là, mais qui est largement corrigé et qui est largement amélioré aussi. Et du coup, on aura vraiment un système de Quidditch qui n'existe sur aucun serveur. On sera le premier, que ce soit en français ou serveur turc ou tout ce que tu veux, on sera vraiment les précurseurs d'un an. Ça, c'est beau, ça. Bon, le RPQ Kalendas, on pourra le faire en tant qu'adulte, tous les deux dans un dortoir. Voilà. il fait juste ça. Si je peux rajouter un petit truc pour le Quidditch, donc vous verrez au niveau de la map, il n'y a pas de mur invisible autour du château. Et autour du Quidditch non plus. Donc, le vif d'or, admettons, il s'en va, il va faire un tour de Poudlard. Vous pouvez partir avec ce vif d'or pour faire un tour de Poudlard. Vous ne serez pas bloqué par un mur derrière une tour ou quoi que ce soit. C'est vraiment entièrement libre dans la game. Tu vas avoir des trucs, c'est le bordel. Découvre la map. Les gars, la map, négocie avec les mecs, ils veulent montrer une autre zone, mais moi, je ne suis pas dirigeant de la map. Hein. Moi, on me balade, moi, on me téléporte. Hein. Ça, c'est voilà. Ici, on a déjà montré beaucoup de voilà. On essaye de garder quand même le secret. Minimum de secret et surprise. Ça. Parce que sinon, vous allez tous arriver et voilà, vous aurez plus l'effet. Mais les screens. C'est wow de voir en vrai, mais c'est encore mieux de voir. C'est ça. Vous avez vu, monsieur, troisième étage, et ça peut vous montrer, et c'est encore mieux. Il faut attendre une semaine, les gars. Ça va. Ça va. Une semaine, ça va pouvoir tenir. Vous allez pouvoir tenir, mais ouais, ça va déjà, c'est vachement propre.
Toute bête, j'ai l'impression que non, parce que Twitter je suis à côté, mais bon, j'ai dû faire des tests et tout. Mais c'est une question que moi j'ai beaucoup de problèmes pour Poudlard. Ça va, qui peut être question lag malgré qu'on soit beaucoup à faire exploser les trucs et tout. C'est, ça va, c'est bien modéré. On a optimisé, on a optimisé la map au maximum, ouais. Sachant que tout le ciel est ouvert, donc on peut vraiment être en apparition partout, en balai partout. Ça, c'est bien, forcément, ça a un coût, mais on a fait un maximum d'optimisation. On peut potentiellement encore améliorer ça par le futur, voilà, parce que rien n'est jamais parfait. Ah oui. Mais sinon, on a une machine qui tient la route, on ne devrait pas avoir de soucis de ouais, FPS. Mais c'est pour être sûr par rapport à ça. Surtout par rapport à l'aspect d'ouvrir la map, c'est super bien ça, l'ouverture de map. Pour vous dire par exemple, pour ceux qui ont suivi ma série, vous savez, c'est comme les moments où j'ai voulu transplaner pour aller à un droit, gauche, à droite et que je me prenais un mur et que je mourais. Bah voilà, c'est pour éviter ça. De prendre un mur. Y a-t-il des players modèles inédits d'élèves? Alors, les players modèles inédits vont arriver, mais pas pour tout de suite. Oui, voilà, ça demande un peu de temps encore, mais ce sera bon. C'est un gros travail. Hein. N'oubliez pas, les gars, c'est le serveur en soi, c'est là, c'est l'ouverture officielle, mais c'est un truc qui va évoluer. Vous allez sur une amélioration au fur et à mesure. En fait, Calendas, que t'as pas écouté encore, mais je tiens à manifester Calendas. Hein. En résumé, là pour moi, ce qu'ils ont prévu, c'est d'ouvrir le serveur comme ça. Et après, en fait, je vais prendre par exemple ce que connaissent, c'est la FIU. Sur Star Wars, ils ont lié plusieurs serveurs parce qu'ils sont tellement grands ce qu'ils font qu'ils lient plusieurs serveurs. Qu'en fait, on change de serveur, mais les personnages restent. La progression reste. Et ben en fait, entre guillemets, ils veulent faire à peu près pareil. Dans le sens que, quand tu seras en élève, tu seras sur le serveur Poudlard, où t'as Poudlard, et un autre serveur où t'auras un Scaban et tout sera prévu en fait là-dessus. C'est un peu comme je voulais te dire, Calendas, la fois, t'en souviens que j'avais parlé. Bon, maintenant ils l'ont fait, c'est l'avantage, moi je n'ai pas besoin de le faire. Mais j'avais dit que si je faisais un jour un autre projet pour la RP, ça serait un Dark RP où il y aurait deux serveurs différents. Et ben en fait, ils ont l'idée que j'avais eu là-dessus. Eux, ils l'ont vraiment fait. Moi, c'est dans ma tête, et eux, ils ont vraiment pété un plomb, ils vont vraiment le faire. Donc voilà. Mais voilà. Et le truc, c'est qu'on parle pas, enfin, c'est pas des paroles en l'air. C'est ça. Tout ce qui est déjà sur le serveur, en fait, est déjà configuré pour déjà fonctionner avec un autre serveur. Donc, si maintenant, par exemple, on prenait un autre serveur et on mettait n'importe quelle map dessus, tout ce qui est sur ce serveur-là fonctionnera sur le deuxième. Tout est déjà calculé et tout est déjà fait pour fonctionner comme ça. Voilà. Donc, c'est pas juste, voilà, par la suite, on va faire ça. C'est non, en fait, on peut déjà le faire maintenant. C'est juste qu'on veut vraiment fournir quelque chose de qualité, aussi bien sur le premier serveur que sur le deuxième. C'est ça. C'est nickel, toi, Zozo. Donc voilà, donc c'est vraiment le truc sur ce point-là. Oui, il y aura la liaison, et voilà, c'est un peu comme il y aura une sorte de liaison, donc tu auras bien tout ça. Est-ce que vous êtes question, messieurs, dames, le pire modèle? Donc ça, voilà, ils ont répondu, il y aura ça et tout. Question basique, mais est-ce qu'il y aura un VIP, quelque chose pour vous aider et tout? Il y aura un VIP qui donne accès à des jobs, plutôt tout ce qui est fantôme, qui est créature un peu surpuissante, on va dire, par exemple les dragons. Voilà, bon, après, c'est des jobs qui peuvent être joués par des moments bien précis. Mais sinon, en plus de ça, ça vous donne un slot de personnages en plus. Ça vous donne accès à une caisse que vous pouvez ouvrir tous les mois ou toutes les semaines, ça on ne sait pas encore, on va décider. Et les caisses vous permettent en fait d'avoir des skins de baguettes. Donc c'est vraiment c'est un mode. Système de looting un peu comme dans les jeux mobiles. Tu connais tous les jours et t'as ton petit loot. C'est ça. Un peu ça. Ça c'est bon ça. Donc les fantômes, ouais. Les fantômes, vous avez réussi à réparer parce qu'il y en a beaucoup qui les skins qui étaient buggés. Quand ça avait réussi. Oui. Donc, vous êtes tapé. C'est pareil aussi, vous avez réparé un peu les sorts parce que je sais que par exemple, nous on avait beaucoup d'énormes problèmes avec Mirren Viosa. Dans un serveur. Et ça aurait réussi à retaper. Totalité des sorts, en fait, je les ai revus personnellement. Donc, même si certains, c'est juste une question de petit délai, il n'y a pas un seul sort qui n'a pas été modifié. Ok, non, mais c'est pour être sûr des trucs comme ça. Parce que moi, je vous dis tout ce que j'ai eu dans mes serveurs, il peut y avoir des soucis. Donc voilà. Dragon, ça arrive. Ouais, il y aura des fantômes, donc fantômes terrestres, Rochia. Ça pourrait être cool de faire des événements comme les animaux fantastiques avec des créatures qui se baladent dans Poudlard ou même autres sous forme d'événements pour faire travailler les aurores. Bah, ça, c'est tout qui peut arriver. Hein. Il y aura justement ce système de créatures, on va dire ça comme ça, qui vont se promener et qu'il faudra potentiellement donc que vaincre, que ce soit dans la forêt interdite ou même dans les alentours. Oui. Ok. Forêt interdite, donc il y a tout ça. Comme lieu qu'on aura dans Poudlard, vous avez fait quoi? Est-ce qu'il y a le lac? Est-ce qu'il y a tout ça? Ou est-ce que c'est sans surprise? On peut parler des lieux qu'il y aura. On peut parler des lieux qu'il y aura, on va être très clair, hein, que ce soit sur le premier ou sur le deuxième serveur, il y aura absolument tous les lieux comme dans le film ou dans les livres. Ici, il y a, on va dire, un petit aperçu de ce qu'il y aura par la suite.
qu'on prenne par exemple la forêt interdite, le côté force du mal, etc. Pour l'instant, voilà, c'est des choses qui sont mises là parce qu'on a besoin de quelque chose, mais il faut savoir que ça va être grandement amélioré. On aura une forêt interdite qui sera entièrement revue, le lac noir qui sera entièrement revu. Mais on peut déjà, par exemple, faire le tournoi des trois sorciers, hein, par exemple, avec le lac noir et faire l'épreuve des sirènes. C'est totalement faisable déjà maintenant, mais ce sera encore mieux par la suite. Ok. Ok. Alors, question par rapport au cours. J'ai pensé, parce que je pense à peu près au truc et tout. Je parle après de question après Gabit. Tout ce qui est Pascal, c'est la zone spéciale pour tout ce qui peut être botanique, potion, comment ça se passait ? Que ça se fait en chasse-roll ? Alors, ça, c'est très complexe. Dans le sens où le système de potions fera, en fait, sera le fruit en fait, d'une mise à jour majeure qui va arriver donc, d'ici quelques mois. Dans le sens où ce sera un add-on de potions que je vais créer moi-même de zéro. Et qui aura donc le changement de couleur comme dans les livres et dans les films. Tu devras aller récolter tes ingrédients dans la forêt interdite ou potentiellement voler des ingrédients dans la réserve de potions, parce que oui, nous avons la réserve de potions. Tu devras vraiment récolter tes propres ingrédients, les mettre du coup dans le chaudron, ça changera de couleur, tu pourras mettre en bouteille ensuite ta potion, la mettre dans ton inventaire, la boire par la suite. Et pour le système de botanique, on a un système justement de plantation qui est, donc par exemple, tu pourras faire planter ta mandragore, elle va grandir et ensuite tu pourras la dépoter si tu as envie, mais je ne le conseille pas, et de la rempoter, etc. et l'utiliser après dans des ingrédients de potions. Mais ça, c'est l'issue de c'est ça. Des améliorations. C'est des mises à jour. Parce que c'est, le truc, c'est qu'on ne veut pas simplement mettre un truc, voilà, on le met. Non, c'est, si on fournit quelque chose, on aimerait vraiment que ce soit parfait, surtout au niveau des add-ons. Alors, que ce soit le système d'examen, ben là, voilà, on a fourni déjà quelque chose de très fonctionnel. Mais c'est des choses vraiment clés. Mais le système de potions, c'est quelque chose, voilà, pour l'instant, on peut faire des slash rolls qui seront utiles. Mais on ne va pas se contenter de juste mettre un bête add-on de potions vite fait pour vous dire, ben voilà, on a les potions. Non, si on fournit un service, on veut qu'il soit parfait. D'accord. Alors, j'ai plein de questions tant que sont passées que ça. Déjà pour te dire, Kalendas, non, tu n'es pas obligé d'être avec Voldemort. Tu peux être un groupe de méchants qui peut, ont leur intention et tout, tant que c'est bien développé. Sur ce point-là, vraiment, en fait, vous n'êtes pas bloqué par rapport au personnage dans le lore. Il y a le Voldemort qui fera ses menaces, oui, mais genre, c'est des groupes qui sont pas que des manches mortes. Il y a quand même d'autres trucs à côté. Un trailer prochainement, je crois qu'ils vont sortir à bientôt, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Il va arriver d'ici les prochains jours, peut-être voilà. On verra. Dans tous les cas, par rapport à moi, ce que je veux savoir, les gars, ce que je peux vous dire sur le stream, c'est que bah, samedi soir, je serai pas samedi après-midi à l'ouverture, je serai là le soir, et après on y sera prêt, je pense qu'on y sera 3 fois par semaine maximum, parce que j'ai une grande fois du Poudlard, où je vois vraiment celui-là, il m'aime vraiment, donc on ira beaucoup, donc comme YouTube et tout, vous verrez tout par rapport à moi là, ça. Y a-t-il Prolar ? Oui, après Prolar, je crois qu'il l'avait dit. Le serveur, c'est Serious ou Semi-Serious ? Bah, il est Serious, je pense. Serious ? On se veut être Serious RP, alors pas Serious RP comme les gens ont l'habitude de dire, c'est vraiment quelque chose de sérieux. On est ouvert à tous par contre, donc s'il y a vraiment des novices là-dedans, on est prêt à. Voilà, à les aider et à les guider pour l'aventure. Mais on veut vraiment que ce soit quelque chose de, comment dire, de concret. C'est pas juste, voilà, et vous jouez avec votre caca, on va dire ça comme ça, hein, pour utiliser les mots qui sont utilisés dans Dark RP. C'est pas ça. Ici, c'est vraiment, voilà, vous venez et on vous montre que même si vous trollez pas, vous pouvez vous amuser. C'est ça qui compte beaucoup pour nous. Les personnes qui connaissent pas pourront apprendre, voilà. C'est ça, et on peut aussi apprendre. Alors, est-ce qu'en dehors de Poudlard sera développé en termes de map, village, magicien, plaine, forêt, loin de Poudlard ? Extérieur de Poudlard, tu veux dire le tour de Poudlard ? Ouais, c'est ce qu'il a dit, il voulait agrandir après, mais ça c'est plus tard, il faudra attendre aussi d'avoir ni vu ni connu les deux serveurs. En fait, pour ceux qui connaissent pas comment ça marche un serveur Poudlard, je sais pas, je sais comment ça marche tout court un serveur sur Gmod, Hammer est quand même évidemment limité, la map peut être limitée, donc c'est pour ça que l'histoire de ça est intéressante, c'est qu'en fait, il faudra se dire, c'est qu'avec deux serveurs, imaginez la chose, c'est que vous avez d'un côté Poudlard, donc qui prend déjà beaucoup de ressources, on va pas se le cacher, et d'un côté, vous pouvez faire d'autres trucs plus grands, donc c'est pour ça qu'il faut après agrandir. Mais heureusement, ils doivent être bloqués par un truc magique qui s'appelle Hammer, qui bloque vachement les choses au bout d'un moment. C'est ça. La flèche Hammer, ça bloque beaucoup. C'est pour ça que je prends l'exemple des gros serveurs comme je disais, la Few. La Few ont 3 serveurs, même 4, parce qu'en fait, ils ont tellement de trucs qu'en fait, ils les lient pour en fait, t'as pas un problème d'Hammer. Et donc plus tard, ils pourront développer ce qu'ils veulent quand en fait, plus t'as de serveurs, plus tu peux développer, quoi, mais voilà. Question par rapport aux maisons, est-ce que tout ce qui peut être les tableaux pour les salles communes et tout, etc., t'as un peu changé, c'est un peu tac ou c'est tout pareil, il n'y a pas de système de mot de passe, parce que vous avez mis un petit système quand même? Alors pour l'instant, le système de mot de passe n'est pas encore prêt, mais il sera là dès qu'on peut. Il arrivera, oh, ok, ouais, voilà. Mm. Et, ouais, voilà, c'est un bon truc.
Il y a encore des questions, mais c'est dans le chat ou pas? Il y a encore des questions qui vous intéressent. Sinon, n'oubliez pas les gars samedi. Ouais, par exemple, moi qui arrive le samedi soir, comment ça va marcher? Je serai pas comme les autres, qu'il y a tout le monde qui a la rentrée, il y a une rentrée qui est prête pour initier, ou t'arrives direct en élève et tu gères directement, t'es pris un peu dans le bain? Nous, pour toi, du coup, théoriquement, il y aura un professeur qui sera là pour t'accueillir si, ouais. si il est disponible. Mais voilà, s'il n'y a personne, en effet, tu devras donc te rendre toi-même à la grande salle et utiliser okay. le chapeau. Mais normalement, tu auras quelqu'un pour t'accueillir. Ouais, pas de d'ailleurs, soucis. Que ce soit toi ou qui que ce soit, on est toujours à l'affût. C'était déjà le cas de la bêta. Dès qu'il y avait quelqu'un qui arrivait, on essayait toujours d'essayer d'accueillir un maximum. Ouais. Alors, je vois, à côté, en regardant mon interface, bon, il y a ma barre de vie. Donc là, j'adore le petit cadet tout. Il y a une barre en bas, il y a Stiles Valière, il y a ça. Et il y a un petit barre jaune. C'est quoi la barre jaune à droite? C'est la stamina, en fait. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas faire de bunny hop. Ah. Du coup, si tu cours, ça va, ça ne se réduit pas trop vite. Mais si tu commences à sauter partout, ça se réduit énormément. Ça marche ou pas pour les sorts? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de spam de sorts sur les Poudlard. Est-ce que le spam de sorts a été réduit par rapport à ça ou... Non, j'ai revu la quasi-totalité des sorts et en fait, la plupart des sorts, ils ont déjà un cooldown minimum dans le sens où tu dois prononcer le sort pour pouvoir le relancer. Et en plus de ça, tu as la stamina qui est un peu plus réduite et du coup, ouais. ça commence à vite aller n'importe où. Si ça évitera les Ritsusempra, comme ça, ça évitera ça. Ça fait combien de temps que ça bosse dessus? Ça faisait longtemps, ils ont dit, bah, en fait, c'est une très vieille groupe pour votre groupe. Pour vous dire, s'ils travaillaient déjà sur le projet à l'époque de Secret Dynasty. J'ai fait il y a un an et demi mon premier Poudlard et c'était un an avant, on est presque à 2 ans, facilement 3 ans. Hein. Quand on était sur Secret Dynasty. Alors la Secret Dynasty, ouais, ça fait super longtemps. Ouais, pour 3 ans, c'est quand j'ai rencontré Sietan. Hein. Alors en réalité, Secret Dynasty, ça fait 2017, 2016. Ah ouais. 2017, ouais. 2000. Ouais, 2017, 2018. D'accord. Ouais, 2017-2018, ça avait commencé Secret Dynasty et ouais, voilà. Non, voilà, c'est un très gros projet. Quelle commande se dispose sur serveur? Ouais, les commandes disponibles sur serveur, il y a quoi un peu comme commande sur le serveur? Genre des commandes, genre ceux qui aiment bien. Donc les chasse rolls. Attends, merde. Les rolls seront-ils de la partie pour mettre un système de fail au slash me? Ouais, je pense que oui, comme d'habitude, ceux qui font du chasse roll, il y aura un système de fail, non? C'est ça, oui. Ici, on a bien mis dans le règlement qui sera bientôt disponible sur notre Discord, justement, une règle par rapport à ça. C'est que, alors, des petites actions qui ne nécessitent pas de slash roll, ça peut arriver, mais quand même, les grosses actions, il y aura en effet le système de slash roll pour les fails de slash me. Ok. Bonne question, ça, Xamora. Est-ce que les cooldowns et sortilèges pourraient être réduits par rapport à la puissance magique? Par exemple, un adulte magicien lance plus vite. Alors, il faut prendre en compte que le système de baguette, hein, je vais dire clairement, il est vraiment nul. Il est codé avec les pieds, on va dire ça comme ça. Du coup, pour but de refaire entièrement un nouvel add-on de baguette qui pourra, lui, être ouvert à toute suggestion. Mais pour l'instant, on est limité, que ce soit parce qu'il est mal écrit ou parce que, justement, tout n'est pas faisable dessus. Ici, on fait un maximum avec. Ce sera encore amélioré par la suite sur cet add-on de baguette, mais il y aura vraiment une amélioration de qualité une fois que la toute nouvelle baguette sera disponible. Ah ouais, je vois le truc, voilà. Il faut vous dire, les gars, c'est que là pour moi, ça va être un truc qui va être très bien de base. En fait, à force, ils vont chaque fois améliorer, mais malheureusement, pour ceux qui connaissent vraiment pas l'aspect Gmod comme ça, parce que beaucoup c'est tout, moi, de toute façon, j'ai fait déjà 3 serveurs et que je suis en train de faire un gros truc et tout, qui a un arbre de plein, voilà, je me rends compte des limites d'un Gmod et de comment il faut travailler et tout, etc. C'est pour ça qu'on prend le temps pour faire tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, mesdames? Est-ce qu'il y a d'autres questions, mesdames ou pas? Tu veux, pour répondre à la question que tu avais demandé tout à l'heure pour les galions, je peux te montrer déjà. Je vais te montrer déjà une fonctionnalité que tu pourras faire grâce aux galions. Ouais, c'est bien, Demon, t'as découvert les émotes là. T'as l'air scellé. Du coup, hop, par exemple, si tu as cette galion, tu peux acheter une caisse et voilà. Oh les gars, c'est de l'opening. Oh putain. Oh la baguette qui ça, skin Fortnite. Ah ouais, ah non les gars, c'est type d'opening, ah ouais, mais ça c'est le truc, c'est l'open case. Oh, on va faire des openings les gars en stream. Est-ce que je vous ai putain dans votre tête, les gars, je vais faire un opening sur Gmod. Ah, Jules, à ce qu'il paraît, cette tenue te va à merveille. C'est aimable. Tu fais effet. N'avez-vous pas peur que les élèves l'utilisent en plein cours? Bah je pense qu'en vrai, s'il y a des problèmes, les gens ils sont prévenus, quoi, je veux dire. Il faut savoir que ce sera un système que tu pourras seulement donc ouvrir lorsque tu seras dans la boutique du coup de baguette. Ouais. Pardon. C'est bien.
Après, voilà, hein, on pourra jamais éviter si la personne veut en faire. Voilà, c'est ça. C'est ça. Pack 3 disponible, pas disponible. J'ai même pas demandé de type basique. Voilà, ici en fait, c'est vraiment le système de baguette. Tu pourras vraiment l'ouvrir dans la boutique de baguette, mais ça servira aussi pour plein d'autres choses. Ah, ouais, voilà, après voilà, c'est... Ça peut servir pour plein de choses, et donc c'est achetable avec des galions, mais comme je dis, en tant qu'élève, tu gagneras quasi rien, donc les élèves, voilà, à part si ça fait un certain temps qu'ils sont sur le serveur, et parce qu'ils ont été récompensés par des professeurs, parce qu'ils ont nettoyé les toilettes, ce genre de choses, on va dire ça comme ça, mais là, ils auront potentiellement assez de monnaie pour dire d'en acheter, mais voilà, ce ne sera pas non plus... Tu peux acheter 50 ouais, caisses c'est ça. Avec tes galions, non. Alors tu pourras potentiellement le faire si tu fais un achat sur la boutique de galions, mais sinon je ne pense pas que tu pourras acheter 50 caisses d'un coup, sauf si vraiment Dumbledore il est très généreux et qu'il est riche à millions et qu'il te les donne. Kalendas, tu vas entorcher des toilettes pour avoir l'argent. Pour faire un beau cadeau à Noël, hein. T'as intérêt. Alors là, je compte sur toi Kalendas, je veux le plus beau des cadeaux. Est-ce que question basique, mais j'en ai la preuve avec le bonne question Zamora parce que j'ai appris actuellement avec le Clone Wars, il en a eu des gros soucis par rapport à ça. Ça va, vous avez réussi à mettre ce qu'il fallait en sécurité pour tout ce qui peut être les attaques et tout. Il faut savoir qu'on n'est jamais assez protégé dans le sens où voilà, si c'est un petit serveur, enfin une petite personne isolée qui nous fait une toute petite attaque, oui, ça ne nous fera rien. Mais s'il y a 50 000 personnes qui commencent à nous attaquer en même temps, ça, ce sera différent. Personne n'est protégé un maximum. Et ici, on a un bon hébergeur. Normalement, ça tiendra le coup. Mais personne n'est... Ouais, quand on voit ce qui va faire et tout. Donc, voilà. Et vous avez... Donc, la map, vous l'avez... C'est vraiment une map exclusive de A à Z. Alors, ici, on a pris une base qui est bien connue. C'est celle de Galaxy Gaming, ouais. Si je ne me trompe pas. Mais la quasi-totalité du château a été revue. Et ici, on ne se contente pas juste de fournir quelque chose voilà, de déjà vu. On a revu toutes les parties qui ne nous plaisaient pas. Il y a encore d'autres parties qui sont bientôt revues, que ce soit donc les dortoirs, l'extérieur du château, etc. Faut savoir qu'à part les parties vraiment exclusives que vous connaissez maintenant, la quasi-totalité sera revue. D'accord. Et c'est un projet de grande ampleur qui ne se fait pas du tout. Ouais, mais c'est sûr, main, c'est sûr. Petit à petit, ici, c'est on a ça. Déjà revu énormément, que ce soit au niveau des grands escaliers, la quasi-totalité des tableaux ont été posés main à la main. Ce n'est pas juste une texture sur les murs, donc c'est vraiment, on a pris tous les tableaux, on les a posés un par un. Et voilà, et ça, ici, on a vraiment une équipe de mappeurs qui est motivée et qui fait du bon travail. Ça, c'est bon, ça. J'ai une question. Ah, voilà. Y a-t-il des musiques d'ambiance sur le serveur? Ambiance. Alors ça c'est quelque chose de problématique dans le sens où quand on est sorti en bêta, on n'avait pas mis de musique d'ambiance, on nous a demandé de les mettre, une fois qu'on les avait mis, on nous a demandé de les enlever. Alors, est-ce qu'on en met ou est-ce qu'on n'en met pas? On ne sait pas trop, mais en tout cas on a pour objectif de mettre des sons d'ambiance, ouais. Du coup généralement des petits sons d'ambiance parfois où, quand tu vas dans un endroit, mais on ne va pas non plus... Moi ce que je conseille à l'expérience, je peux dire, pour tous ceux qui restent sur le serveur, on serait heureux qu'il n'y ait pas tellement de musique d'ambiance. Avec les enlever. En soi, ce qui est bien à peu près ce qu'on ressentait après ce point de vue de enfin, les gens et tout, les sons d'ambiance, c'est hyper intéressant ça. Et musique, c'est plus de temps en temps quoi. Ouais, ici, de toute façon, on a un système de musique qui est inédit. Je sais pas si je peux te le montrer ici. Je pourrais juste te montrer le modèle, pas encore la donne en lui-même parce qu'il n'est pas mis sur le serveur. Mais en gros, on a un système de musique qui est inédit, dans le sens où plutôt que juste d'avoir un truc rose qui met de la musique, ici, en fait, on a un modèle qui a été fait par Zedric, qui est en fait un tourne-disque qui permettra à tout le monde de choisir en fait la musique. D'accord, la musique. Faire des balles de sorciers, etc. Alors, tant qu'on parle de ça, est-ce qu'il y aura aussi des activités plus tard, je pense, mais des clubs, journalisme et tout, etc. Il y en aura qui vont plus tard sur le serveur? Il y a justement des heures de club qui sont déjà prévues et il y a plein de clubs qui peuvent être en fonction des professeurs, etc. Il faut juste l'autorisation du directeur et des professeurs et tu peux faire ce que tu veux. Alors après ça, c'est des choses qui peuvent se faire in RP, hein, honnêtement. D'accord, ok, non, mais ça c'est bien. Est-ce qu'il y a telle petite chose pack 3 ou pas sur le serveur? Ah oui. Moi, je compte pas le mettre dans le sens où c'est plus une faille de sécurité qu'autre chose. Alors, c'est vrai que les fonctionnalités sont très intéressantes, mais
Par rapport au risque, c'est beaucoup trop dangereux. Parce que si on parle justement des attaques et, ou même des trollers, même si on le donne à quelqu'un en qui on a confiance, on ne connaît jamais assez quelqu'un. Du coup, ça pourrait forcément poser préjudice. Et on essaie vraiment de fournir quelque chose de qualité. On a mis tout notre cœur et notre âme là-dedans. Si en plus de ça, il y a des gens qui viennent tout détruire parce qu'on leur a donné les cartes en main pour pouvoir le faire, c'est pas top. Ah, mais je suis d'accord avec toi pour le pack 3. Ça, j'ai rien à dire. C'est toujours le grand débat, mais malheureusement, c'est un truc pépite le pack 3. Mais ceux qui utilisent mal et ceux qui foutent le bordel avec, voilà. Autre question, monsieur dame. Après, on aura aussi un système d'accessoires, et etc., qui compensera un peu ça. Mais si vous voulez vraiment créer des choses extraordinaires, malheureusement, on ne peut pas parce qu'il y a toujours des personnes qui font de mauvaises utilisations de ça. On déteste punir les gens par rapport à ça. C'est d'ailleurs pour ça que tous les systèmes sont quasi disponibles à tout le monde sur le serveur. On n'aime pas priver les gens de quelque chose, mais certaines choses, on n'a pas le choix. Quoi. C'est ça. Salut Cookie. Alors pourquoi le pack 3 ? Pourquoi pas une faille ? Parce qu'en fait, le pack 3, tu peux modifier beaucoup de choses sur un pack 3. Un pack 3, tu modifies beaucoup de choses, beaucoup d'éléments dans ton truc. Et en fait, il y a des gens, quand ils savent utiliser le pack 3, ils foutent le bordel sur un serveur et peuvent tout faire bugger facilement. Le pack 3, en fait, c'est pépite, tu fais tout magnifique. Genre, quand c'était Canadas qui avait fait son Patronus, je sais que Show, hyper chaud avec le pack 3. Mais en fait, le pack 3 est une source de problèmes pour des personnes qui veulent foutre le bordel. Un mec qui est super en pack 3, qui veut foutre le bordel, mais c'est Noël pour lui. Et tu peux presque pas le. Tu peux pas brider comme tu veux. Les profs seront-ils accessibles aux joueurs de façon restreinte, bien sûr ? Oui. Ici, en fait, les profs seront disponibles à tout le monde. On va juste les enlever au niveau des élèves, mais à partir de l'adulte, vous pourrez donc poser vos profs parce qu'il y a des bureaux qui ont été prévus dans Poudlard pour les professeurs. Voilà. Ah bah au moins, on a l'interface ! C'est bon ? Voilà. Du coup, il y a des props qui sont disponibles pour les professeurs pour meubler leur bureau dans Poudlard. Et donc, il y aura vraiment la possibilité de créer votre domicile, votre bureau ou quoi que ce soit. Un prof qui fait un truc dans le vaisseau et tout, il peut prendre tout dedans, c'est bien ça alors. Ça, voilà. Avez-vous d'autres questions, monsieur, dame ? Ah, c'est bien le pack 3, c'est vraiment bien. Il y a des trucs exceptionnels le pack 3. J'ai pu voir ce qu'a fait Kendas et tout, mais c'est un facteur de trop gros risque le pack 3. C'est malheureusement, tu pack 3, tu donnes ça à une personne et comme d'habitude, ça va te prendre ça quoi. Bon, bref. Malheureusement, ça. Alors, c'est la question. J'espère que l'heure d'entente ne dure pas 30 minutes. C'est vrai que tu tiens à peine 3 minutes, Kalendas, donc. Pardon. Oui. L'heure des dortoirs, c'est ça ? Ouais. Alors, ici, la nuit, théoriquement, passerait très vite, mais c'est encore sujet à modification et on peut la passer facilement la nuit. Donc, ok. Ici, forcément, quand on ne sera pas là, on ne pourra pas la passer. Mais sinon, c'est un truc que je modifie encore. Et pour l'instant, un cours, par exemple, c'est entre 15-20 minutes. Et la nuit, le temps passe 3 fois plus vite. Ok, ouais, non, ça. Ouais, c'est pas les longues nuits ou le week-end hein, qui durent pendant 3 heures. Et demain, on vit de sacré. IRL. Non. C'est vraiment une vraie nuit, quoi. Après, si vraiment il y a besoin pour des scènes RP, des demandes spéciales, etc., toi, de faire un RP, des scènes, etc., qu'ils ont besoin de la nuit, etc., peut bien sûr mettre on pose le temps la nuit mais voilà c'est que la nuit voilà pas de cas serveur du serveur qui va ouvrir c'est le serveur voilà c'est assez court. Ah, attendez il y a le temps quand même de faire des petites scènes si on a envie voilà de un élève qui se balade dans les couloirs pour aller aller dans la bibliothèque ou un truc comme ça dans la réserve il y a du temps mais pour faire un gros truc qui dure on va dire 30 minutes une heure non. Oui, non, mais je vois le truc. On parle du serveur qui va voir le Wizarding World qui sort la semaine prochaine, samedi prochain. 23 à 14h, voilà. Ouais. Y aura-t-il un job cuisinier moi, je suis en train de le soir dessus. Hein. L'après-midi, je compte sur vous à fond. Moi, je pourrais pas être là parce que je suis en déménagement. Génial. Moi, je vais être là. Bon, j'ai bien déménagé, j'ai fait yes. Y aura-t-il un job cuisinier avec la jauge de la bouffe qui descend avec les élèves qui devront se nourrir et tout. Est-ce que vous comptez mettre un système de bouffe comme ça ou pas ? Système de nourriture, mais plus le système de faim comme on avait mis dans la bêta, parce qu'on a vu que c'était plus problématique qu'autre chose, et que malheureusement les gens ne l'exploitaient pas assez. Du coup, de base, la faim sera désactivée, mais il y aura le système de nourriture, donc il y aura bien les élèves de maison qui vont pouvoir ramener la nourriture, parce que pour ceux qui ne le savent pas, en effet, c'est bien les élèves de maison qui préparent la nourriture. Ouais, donc Kanda, c'est un élève de maison, s'il te plaît. Bonjour, j'arrive en retard, désolé, il n'y a pas de soucis, c'est l'effort. En tout cas, je ferai un petit résumé de ce qu'il y a comme information avant la fin. Et pour ceux aussi qui s'intéressent, la vidéo sera peut-être un peu coupée d'autres trucs, mais il y aura un sort de petit montage que je vais claquer
Et après, la truc, je vais claquer le pour la mettre en vidéo avant samedi, qui a un petit plus que des questions. Mais vous serez au courant de tout ce qui a été dit. Pour ceux qui veulent savoir, j'avais très vite fait envie de se modifier la vidéo. Voilà, il y a une petite vidéo juste FAQ. Pour... est-ce que le RP sans micro sera autorisé? Est-ce qu'il y aura beaucoup d'add-ons? Alors en soi, le RP sans micro, ils vont peut-être répondre juste pour les add-ons. Si ça peut prendre déjà tout, la collection est assez rapide. Hein. Vraiment, vu qu'il y a un phase de tout, la collection, ça va être très vite. Elle était pas très grosse, elle a été bien gérée, la collection. Il faut savoir que je me suis amusé à sélectionner manuellement chaque chose, une par une, dans la collection. Alors, on a énormément de choses, donc forcément, voilà, c'est pas une collection de 1 giga. Mais comparé à ce qu'on avait en bêta, qui était environ 13 gigas, là, ici, on l'a quasi divisé par 2. La moitié, hein. Ouais. Ouais, même un peu plus que divisé par 2, si je me souviens. Le RP sans micro, est on peut le faire ou pas, mec, qui écrit? On n'empêche personne de jouer. Après, il faut savoir que si on n'a pas de micro, forcément, jouer professeur, ce ne sera pas possible. On ne peut pas garder l'attention de quelqu'un pas, dans un cours si on ne parle pas. Mais en tant qu'élève, voilà. Oui, on accueille tout le monde. Voilà, ouais. Ce sera juste un peu plus lent pour les CNRP. Forcément, des personnes ne vont pas être très réceptives à ça. Mais nous, on n'interdit pas à quelqu'un de ne pas jouer parce qu'il ne peut pas parler. Forcément, il sera limité dans ce qu'il pourra faire. Mm-hmm. Mais en tant qu'élève, il n'y a pas de souci. Alors, l'apprentissage à sort sera-t-il disponible par le biais d'un que par le biais d'un professeur? Bah, je pense que oui, à part si, imaginons, enfin, je m'avance là-dessus, mais imaginons que tu joues un élève qui rejoint les forces de Mangemort, bah, peut-être tu auras des sorts en plus que les Mangemort t'apprendront. Peut-être, c'est pas, ça peut marcher comme ça, ou c'est que les profs... ça marche comme ça. Alors, pour l'instant, ce sera donc le staff qui donc donnera les sorts, mais par la suite, par exemple, tu pourras très bien lire des ouvrages interdits, par exemple, qui te feront apprendre certains sorts spéciaux ou sorts interdits, que ce soit donc Avada, etc. Voilà. Un système d'accessoires est-il disponible? Il n'est pas encore disponible, mais d'ici les prochaines semaines, voire les prochains mois, il devrait être là. Ici, malheureusement, il y a plusieurs choses qui vont arriver, comme le système de refonte pour le système de personnages. Alors, les personnages seront sans garder, hein, faut pas s'inquiéter. Mais voilà, ici, on va vraiment faire une refonte du système de personnages. Il y aura un système d'accessoires qui ne va pas tarder. Parce que pour l'instant, quand tu appuies sur P, tu peux voir qu'il y a un système de pawn shop. Mais ce système de pawn shop va carrément être revu. Et donc, en plus d'avoir les player modèles qu'on a actuellement, il y aura aussi d'autres choses. Et en plus d'avoir ces player modèles, tu pourras également modifier leur body group. Donc, si ils ont des cheveux de couleurs différentes, tu pourras modifier la couleur de tes cheveux, etc. Voilà. Y a-t-il une boutique à Préolard et des accessoires à acheter avec des galions? Il y aura les baguettes, du coup, forcément, qui seront là. Je ne sais pas s'ils seront là le jour de la sortie, mais dans les prochains jours qui suivent, au plus tard. Mais donc il y aura ça, il y aura aussi le système donc de, comme j'ai dit tout à l'heure, de pétards, de feux d'artifice qui va arriver. Ici c'est des plus, parce que dans le sens où quand vous allez arriver samedi, il y aura personne qui aura assez d'argent pour dire de prendre ça. Ou alors il commence tellement avec peu d'argent que faire des achats là-dessus, ce serait déjà perdre son argent. Donc on va d'abord attendre que les gens se font un minimum de galions, enfin se fassent pardon, avant de donner l'opportunité de se ruiner tout simplement, parce que sinon tout le monde va se retrouver sans galion, et vu qu'on gagne je pense 10 galions toutes les 10 minutes, vous pouvez comprendre que c'est très long à se faire des galions. Voilà, alors double RP autorisé, oui, tu pourras faire deux persos, donc comment je peux faire un élève adulte, je verrai par rapport à ça. Alors la question par rapport au cookie, par rapport au VIP, alors oui il y aura un VIP, donc c'est juste un résumé rapide, voilà, le VIP il y aura, donc tu pourras jouer les fantômes, tu auras des skins, tu pourras ouvrir la caisse comme tout à l'heure, et tu auras des petits trucs, mais c'est pas désavantagé, c'est parce que t'es VIP que tu vas devenir le mec qui aura des sorts de fumée ni rien. Non, le VIP non. Permet d'avoir des petits bonus, d'avoir des skins, d'avoir d'être fantômes, de peut-être te jouer, notamment, voilà, de pouvoir... Notamment par exemple, toi le nombre de slots par personnage, voilà. Le joueur classique en a deux. Et le VIP, on a 4. Voilà. De plus. 3. Et 3. Le chat, 3. Vu la 3. Folie que vous venez de faire, officiellement, si vous êtes bien nombreux sur le stream, je vous le dis maintenant, samedi soir, si vous êtes là nombreux, pour quand je vais sur le serveur, et si le serveur, vous avez été là pour l'ouverture, je vais gagner un VIP. Voilà, je paye un VIP à... Je paye un VIP à quelqu'un. À savoir qu'en plus de ça, du coup, ils gagneront le double des galions, voire le triple, vu qu'on gagne pas beaucoup. Ils auront le droit, du coup, à deux fois par mois, voire trois, on verra, d'ouvrir une caisse du coup qui donne un skin de baguette. Ils auront le droit d'utiliser des sorts VIP. Alors la grosse nuance, c'est que les sorts VIP, tu ne les as pas parce que tu es VIP. Tu peux les utiliser si tu es VIP, mais pour les obtenir, tu dois vraiment avoir une scène bien précise. C'est ça, donc c'est voilà ce que vous dites les gars. Moi je vous le dis franchement, j'annonce, vu ce qui s'est passé avec le train de live, que vous avez foutu comme bordel, si samedi prochain vous êtes à fond dans le truc et tout, je suis à la rue, bah c'est bon, je t'offrirai des knackis. Bah je vous offre messieurs dames, j'offrirai un VIP sur le serveur. Voilà, je verrai ça, voilà. Donc, pour gagner un VIP samedi soir.
Il y a des opening casts. Ah, mais les gars, vous vous rendez pas compte, moi. On va faire un opening ici. Il y aura l'opening, si vous inquiétez pas. Il y aura l'opening cast ici. Ici, ça va être opening. Il y en a qui font opening FIFA, mais ça sera opening Gmod. Je fais un carré en bits. Donc voilà, on peut gagner un truc. Avez-vous votre question, messieurs dames? Avez-vous votre question? Pose ta question, si t'inquiète pas, vas-y, pose, hein, t'inquiète. En tous les cas, ce que je propose de mieux, messieurs dames, c'est que ceux qui ont raté le début, bah, en tous les cas, c'est sur YouTube, ma chaîne, j'en profite rapidement. Là-dessus, il y aura tout qui sera là-dessus, je vais la mettre en ligne. Ce sera une vidéo d'une heure, hein, il ne faut pas se faire chier, je vais pas me faire chier vraiment là-dessus. Et en même temps, pour ceux qui n'ont pas vu, il y a le final aussi de ma série Poudlard, ça n'a rien à voir, bah, c'est un truc scénarisé, voilà, vous pouvez voir. Ça n'a vraiment rien à voir. PK, Poudlard est pas notre thème. Bah, je pense que c'est des grands fans de Poudlard. C'est ça. Voilà, je pense que c'est le mot fan suffit pour dire la réponse là-dessus. C'est quand t'es fan d'univers. Voilà. La caisse, tu drop un Dragonair ou un Amageddon. Ah, bah, ça, c'est comme un 40 bits, mon pote, t'es content. Bah, voilà, bah, je pense que c'est bon. Stem de RPK pour tous sur le serveur. Oui. Oui. Il y a, bon, c'est dans le règlement qu'on vous invitera à lire, bien évidemment. Mais on a différentes. Donc, on a le semi-RPK, etc. Ça dépend les scènes, bien sûr. Mais oui, le RPK est possible et bah, peut arriver assez souvent. Hein. Si votre personnage meurt, du coup, votre personnage mourra vraiment. Est-ce qu'un dash pour. Bon, après, si c'est un bug ou des choses comme ça. Escalier, sans faire exprès, voilà, on va pas. Voilà. C'est ça. C'est vraiment, c'est mort. Il y a une vraie scène, grosse scène RP, il y a un Avada qui part parce que le mec doit mourir parce qu'il doit être tué, bah, il meurt, quoi. C'est dans la scène. À savoir que si tu rentres dans le couloir interdit du troisième étage et que tu meurs aux potions, tu es mort, par contre. Dans le sens où c'est quelque chose qu'on va être très clair lors du bienvenu de la Poudlard, on va vraiment préciser que c'est un endroit interdit et que vous risquez votre vie, donc tous ceux qui viendront ici et qui mourront, voilà. Ils perdront la vie, vraiment. C'est ça, t'as vraiment l'aspect. Attention. Et il faut bien comprendre que tout ce que vous avez, que ce soit vos sorts, vos galions, tout ça est lié au personnage, donc si vous perdez votre personnage, vous perdez tout ça. Vos skins de baguette aussi. Voilà, à prendre en compte. C'est ça. Ouais, les gars, je vais essayer de traiter le personnage de ma vie sur ce mode. Après, si voilà, vous perdez votre personnage, vous pouvez faire un screen de baguettes que vous avez, et du coup, on va vous les redonner pour votre nouveau personnage, dans le sens où on ne va pas non plus vous enlever ce que vous avez acheté. Voilà. Avec de l'argent réel, hein, voilà. Si c'est avec des galions que vous avez juste farmé, ça, on ne vous les rend pas, dans le sens où ben, vous avez fait des conneries et vous êtes mort. Voilà, putain, vous avez beaucoup de questions, c'est bien, vous intéressez bien, ça fait plaisir. Et maintenant, pour la roue, il y en a une. Avez-vous ajouté des passages secrets, des portes cachées, tout ça? Pas besoin de dire où, mais est-ce qu'il y en a des trucs secrets à découvrir? Alors, il y en a déjà plusieurs. Et il y aura vraiment encore une mise à jour qui sera vraiment faite que pour les passages secrets, dans le sens où on veut vraiment qu'il y ait des tableaux partout, que tu puisses discuter du coup avec ces tableaux et en fonction des mots de passe que tu donnes qui s'ouvrent. C'est pour ça que lorsqu'il y aura la mise à jour du coup au niveau des dortoirs qui fournira du coup les mots de passe, il y aura un mot de passe pour ouvrir dedans, ce sera aussi la mise à jour des passages secrets. D'accord. Là, il y en a plusieurs qui sont pas mal. Il y a plein de petites zones cachées qui vont être intéressantes pour certaines personnes. Et il y a encore bien d'autres choses à venir. D'accord. Ouais, je vous inquiète pas, j'ai des questions. Juste pour vous dire, pour les préfets sur waitlist, alors ça va être facile, en fait, ça va être, je pense que les préfets, ça va être pareil que tout. Là, il dira juste oui ou non, au moins, on va essayer d'enchaîner, ce qui commence à être un peu long. Juste par rapport aux préfets, ça va être, je pense, comme tu vas être prof, c'est que t'es un élève, c'est l'un des élèves à un préfet, ils vont chez un préfet, vous êtes élève, vous avez fait une candidature à votre professeur principal, il la validera ou validera pas. Je pense que c'est ça. Après une logique, ça va être pareil que. Voilà. Ça, c'est une validation comme pour les professeurs, comme pour tout. Et oui, c'est une fois que tu es en cinquième année, tu peux du coup être nommé préfet. C'est ça. Les livres, ou les films d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas lu les livres. Les staffs auront le vide d'office. Eh ben, je pense qu'ils sont, en fait, ils n'ont pas besoin du VIP, les staffs, parce que normalement tu débloques tout office que tes staffs, donc ils sont un grade au-dessus, donc ils ont tout. Ils n'auront pas vraiment le VIP. Pas tout, t'as tous tes staffs. Ils ont juste accès en fait à certains jobs, ils ont le droit à un personnage en plus, donc théoriquement ils ont quand même ce bonus de personnage. Mais ils gagneront pas plus de galions que toi, etc. Ils n'auront pas non plus accès à tous les skins de baguettes. Ils devront aussi farmer les galions dans le sens où on ne privilégie pas les gens. Ils fournissent un travail exemplaire. On les remercie énormément pour ça. C'est pour ça qu'on leur donne voilà, des petits avantages. Mais on ne veut pas non plus les mettre sur un piédestal. Ouais. Un système de blessures, genre si on est low life, on tombe dans les pommes. Alors, on a revu un peu le système de soins, dans le sens où tu ne pourras pas te soigner par toi-même en jeu.
Tu peux te soigner un peu, voilà, si tu t'es cogné l'orteil, tu pourras te faire un petit épiski, voilà, ça te soignera. Mais à partir d'un moment, si ta vie est trop, si ta vie est trop basse, tu ne pourras plus te soigner. C'est quelque chose que voilà, j'ai voulu faire avec les sorts. Donc voilà, tu pourras te soigner un peu avec épiski, mais si ta vie est encore trop baissée, tu devras utiliser l'hélium. Et si tu as encore perdu trop de vie, tu devras donc aller à l'infirmerie quoi qu'il arrive. Voilà. Et au niveau de tomber dans les pommes, c'est un peu complexe à faire dans le sens où c'est mieux que toi, tu fasses un flash slip et que tu sois emmené du coup à l'infirmerie. Ça, c'est faisable, mais on n'a pas encore un système de vraiment, tu tombes dans les pommes. Ici, vraiment, quand tu as perdu quasi toute ta vie, bah voilà, c'est à toi de faire le RP correct. Et du coup, tu seras emmené à l'infirmerie parce que quoi qu'il arrive, même si on essaie de te soigner avec un sortilège, ça ne marcherait pas. Voilà. Alors, bah, en vrai, ça, on a répondu à la question là parce que ben, pas bouger qu'à l'infirmière. Vraie question, on pourrait taper ombrage, personne n'aime. Ça, vous gérez entre vous, ça. Mais on va pas se cacher, les gars, parce que je vais pas faire glisser l'escalier. Hein. Voilà, ça, on pourra en parler. Entre nous dans le serveur. Après, il faut vraiment prendre en compte que pour tous les personnages, que forcément, on est sur Garry's Mod, on peut pas être à 1000 sur le serveur. Mais il faut prendre aussi en compte, par exemple, on ne peut pas attaquer non plus le directeur venant nulle part. Mais bon, je pense que tout le monde sait du RP. Mais on ne peut pas attaquer des membres du ministère sans représailles. Et donc, il faut s'attendre à aller à Azkaban, par exemple. Si on... Ouais, mais si elle a, elle a son talon qui se casse, ça peut arriver, quoi. Ah, peut-être, mais bon. Dans l'escalier. Faut attention à ce qu'on fait. Dans l'escalier, un talon qui se casse, bam. Faut pas rater son. Ça va si vite. Bah, si on rate le coup, on a juste Kenda, c'est bon. Pour une autre call, combien de temps? Bah, je pense qu'on est comme une heure à peu près sur le serveur. Alors, il faut savoir que on n'a pas de, vous serez pas téléporté dans une call. Ici, les calls, ce sont de vraies calls où vous serez emmené dans une salle où vous allez devoir copier des lignes ou faire ce que le prof vous demande. Vous pourrez potentiellement avoir une call avec le professeur Hagrid qui vous emmènera du coup dans la forêt interdite, ramasser des plantes, etc. Ce sera vraiment une vraie call. C'est pas juste, on vous emmène, voilà, on vous téléporte sur une zone, enfin dans une zone, vous restez là pendant, je sais pas combien de temps. Voilà, ici on trouve ça idiot parce que les personnes ne retiennent rien, ils recommencent, c'est juste ça. Du coup ici c'est vraiment voilà, tu seras obligé d'aller faire ta punition, etc. Et dans le règlement il est bien noté que tu dois vraiment faire ta punition. Ben voilà. Eh ben je pense que ça va être bon question. Merci d'avoir pris le temps de répondre à tout ça. Je rappelle à tout le monde. Ouverture du serveur samedi 14h, je vais tout remettre les scores et tout. Je vais vous mettre une vidéo, etc. Aussi pour en parler. Alors, je vais pouvoir. L'introduction, je crois qu'elle est sur le Discord. Je vais la montrer. C'est ça, la vidéo déjà disponible, mais le trailer ici sera là plus tard. Alors, attendez. Elle est là, je vais vous la montrer. Il faut que je prépare les gars. Ça me fait une application. Et vu votre fusquet débloqué, c'est dame, restez bien après, je vais vous teaser un petit truc qui va arriver sur la chaîne qui va vous faire plaisir sur ce KMG mode. Et dans longtemps il arrive, mais je vais pouvoir vous parler du nouveau projet qui arrive, qui est un oreille Poudlard, pour prendre l'avant. Oui, pose la question, Cookie, vas-y. Je vous montre dans le trailer, messieurs dames, ne bougez pas. Voilà, je ferme ma sale gueule. L'intro.